François Bernard, de son petit nom, qui a mis en place une option hebdomadaire dans son collège qui s'appelle « Demain, c'est nous ». Chaque semaine, les élèves se réunissent pour parler des effets du réchauffement climatique. Et ce prof s'est dit « c'est bien beau d'en parler, mais je vais leur montrer ». Et il les a emmenés au Svalbard, pas loin du pôle Nord, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes. Moi, je trouve ça formidable. Quand il a annoncé ce projet aux parents, ça a jeté un froid. Oui. Les parents qui s'inquiétaient que les élèves ne tombent malades par moins 17 degrés, ce à quoi l'enseignant a répondu « Ne vous inquiétez pas, grâce aux restrictions budgétaires, il fait déjà moins 17 degrés dans les classes depuis longtemps, ils ont l'habitude. » Ce projet est vraiment formidable, même si bon, il a un peu copié. Hein. Ah. Ce genre de programme existe depuis belle lurette dans les collèges de France. Je me souviens avec nostalgie du programme « Demain, c'est où ?». En effet, au collège, nous, on devait chaque jour trouver une nouvelle classe où s'installer parce que la nôtre avait été vandalisée la veille. Monsieur, regardez, il y a quelqu'un qui a dessiné un phallus géant sur le tableau. C'est pas grave, nous sommes en sciences naturelles, on va s'en servir.